Bonjour à tous, bienvenue sur CPDM TV, la chaîne leader de l'information dans la région de l'Ordubois. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Niangbo-du-Noua, gros village à 32 km de Gagnoua, c'est dans la région du Go. Et nous sommes là pour l'investiture de M. Nyadja Diati Ferdinand, chef central de la dite sous-préfecture. Merci de suivre. Wali kapale yirukuna bawali Wali ka urumiena bawali srosnabe Ankamiena Ankayemiena bawali ayimbili bonsa bawali abola kola 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 ko mapale Mon pôle, mon bouclier, tu es mon réconfort, mon béguin à Nyomo, il est en lala. Pawali, Pawali, avant la cola, 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 coro. L'événement qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cérémonie d'investiture du chef central de Niangbo-du-Noua. Monsieur Nyadja Diati Ferdinand. Monsieur le parrain, nous avons décidé de fêter avec vous. Parce que vous êtes un modèle à suivre, un exemple à suivre. Monsieur le ministre, je n'ai plus d'autre chose à dire. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président du Conseil Régional de l'Ouest d'Ivoire, votre présence ici, ce jour, explique mieux que nous allons ouvrir les nouvelles annales de notre histoire commune. Le parrainage de cette cérémonie d'investiture du chef Diati nous permet de renouer avec notre passé pour dire une nouvelle ère commence. Une ère de rapprochement commence. Chers frères ministres Zappa Komena, prenez-en acte, soyez donc celui qui va piloter l'action. Votre ville à Niangbo-du-Noua est dans un starting block. À la veille de l'émergence, bien sûr. C'est dire qu'il faudra que lorsqu'on dira le signal, il faudra que nous aussi nous courons. Nous voudrions vous prendre donc comme le véhicule et le carburant de cette action à mener, afin qu'on ne tombe pas l'eau. En île le Mali, qu'est-ce qu'il voit? Monsieur Nyadja Diati Ferdinand, fils de Dabo Nyadja Émile et de Boabéi Gaboum, est nommé chef du village de Niangbo-du-Noua. On va y aller. Vas-y, vas-y. Une fois. Pour les frères, pour les sœurs.
les clés de l'ambulance du centre de santé de Niamey.